regarder par exemple chez nous, quelles sont les activités qui amènent le plus de retours sur investissement. Il y a plein de tactiques d'optimisation qui sont très accessibles. Nous, on utilise beaucoup les événements parce qu'on trouve que le retour sur investissement est très important, plus important que dans d'autres activités, que par exemple dans les campagnes de médias sociaux. Tout ce qui est contenu, création de contenu, si c'est fait de façon efficace et s'il y a une analyse de besoins avant, donc si on a une bonne vue sur les besoins des cibles, et toute la partie vidéo. La plupart des gens consomment du contenu vidéo, ils préfèrent le vidéo largement, la vidéo passe en tête. Peut-être que les photos suivent de près et le contenu visuel, mais largement au-dessus du texte. Voilà. Dans les vidéos, on est passif, donc toute l'information vient de... Voilà, c'est comme par rapport à lire un livre ou à lire même une BD, c'est encore plus facile. C'est l'équivalent des infographies, mais déjà, il y a beaucoup plus de facilité de consommation d'information, ça va plus vite. Tu peux transmettre beaucoup plus d'informations en même temps, même, je pense, le temps de lire un print. Moi, je dirais qu'ils cherchent plus l'authenticité. On peut jouer sur l'authenticité et la vérité. Les gens cherchent beaucoup la vérité en ce moment. L'authentique, la vérité, le langage naturel, voilà. Donc, dans une vidéo, on peut faire ça. Alors que dans une publicité, c'est très contrôlé, très charté. Avec les commandes vocales, dans l'optimisation, on se pose la question, non pas seulement quels sont les mots-clés mais comment, et les phrases, mais comment les gens le diraient à voix haute. Vous pouvez faire une campagne pour une personne, si vous voulez, sur LinkedIn. Voilà, ça peut être... ça permet de mesurer exactement ce qui se passe dans la campagne en temps réel. Si vous avez les ressources et s'il y a une équipe qui est dédiée à ça, vous pouvez savoir qu'aujourd'hui, il y a 15 personnes qui ont cliqué sur le lien. Quelles personnes ont aimé le contenu et ont commenté, qu'est-ce qu'ils font. Voilà, donc nous, on pouvait voir ça, par exemple. Quel type de profil, quelles personnes ont interagi avec notre contenu. Ce n'était pas possible avant. Avec le print et la télé, ce n'était pas possible. On ne pouvait pas.